Bonjour les petits amis de No Life. Bienvenue dans 101%. Cette émission est dédiée et dédicacée à notre maître à tous, le grand Marcus, le roi des petits amis de No Life. Marcus, le sommaire, il est pour toi. Critique de jeux vidéo, Madden NFL 2009, la Minute du Geek sur l'histoire de Nintendo. Je sais que ça va te faire plaisir. Tokyo Café, et on commence avec les news. On poursuit notre exploration de la Games Convention de Leipzig avec une petite séquence en musique dédiée au RPG. Les grands noms du MMO étaient bien sûr présents, à commencer par Blizzard, suivi de NCSoft et de Goa, distributeur de Warhammer Online. Le public, une nouvelle fois, s'est rué sur ses stands afin de goûter aux dernières nouveautés de World of Warcraft, de s'essayer à StarCraft 2, Ion the Tower of Eternity ou à Warhammer Online, dans un cadre propre à immerger les fans. D'autant que de nombreux goodies étaient distribués, dont de magnifiques artbooks sur le stand NCSoft. On a également pu croiser quelques personnalités inattendues en train de s'essayer à Dragon Quest IV, disponible sur DS au moment où vous verrez cette news. Final Fantasy IV DS, bientôt critiqué sur No Life, était également présenté. Ainsi que le très attendu Infinite Undiscovery, sublime RPG également signé par Square, mais pour Xbox 360. Autant de RPG décortiqués en ce moment même pour de prochains 101%. On a également pu croiser Iga sur le stand Konami, qui faisait bien entendu la promo du prochain épisode de la série Castlevania sur DS, à savoir Order of Ecclesia. Sans oublier le très critiqué Castlevania Judgment. Un jeu de baston exclusif à la Wii, dont l'idée a germé dans l'esprit d'Iga lorsqu'il s'est aperçu que la Wiimote ferait un très bon fouet. On en reparle bientôt. Un petit mot sur Spore, l'un des titres stars du stand EA, qui a concentré tout le week-end un nombre impressionnant de joueurs potentiels. Le nouveau jeu de gestion de Will Wright, disponible sur toutes les plateformes, téléphone portable compris, s'est même offert la présence d'une petite mascotte. Changement de style avec Jumpgate Evolution, récemment signé chez Codemaster. Ce MMO spatial qui se jouerait aussi simplement qu'un FPS vous met aux commandes d'un vaisseau pour un jeu de simulation, mêlant gestion à la Elite et combats spatiaux à la X-Wing versus TIE Fighter. Un titre prometteur signé par les studios de NetDevil, à qui l'on doit Auto Assault et le premier Jumpgate sorti en 2001. Jumpgate Evolution était présenté dans une espèce de salle de cinéma improvisée où une cinquantaine de personnes pouvaient assister durant 20 minutes à la présentation du jeu par ses créateurs. Une bonne idée pour un genre de jeu en voie de disparition. Un petit mot enfin sur Command & Conquer, alerte rouge, le plus attendu des RTS du moment. Aïe, ok, c'est vrai qu'il y a aussi Tom Clancy's and War. Ouch, oui, et StarCraft 2 aussi. Bon, le RTS fait donc son grand retour fin 2008, début 2009, sur PC, mais également sur console next-gen. Alerte Rouge 3 revient avec une campagne jouable en coop, une nouvelle menace asiatique reprenant les codes du genre mecha pour notre plus grand bonheur, sans oublier une heure de cinématique live au casting a priori époustouflant. De retour sur le plateau de 101%, petit ami de No Life. Marcus, si tu nous écoutes, je suis désolé. On va parler d'un jeu de sport, et je sais que Wii Fit pour toi, c'est le maximum syndical. Eh bien, on va quand même écouter cette critique, parce que c'est tout ce qu'on a en magasin, mais je te promets d'envoyer un mail d'insulte au journaliste qui l'a écrit.
C'est une tradition immuable. Chaque année, la division sport d'Electronic Arts aborde la rentrée avec dans ses poches la version annuelle de toutes ses simulations. Mais si FIFA est incontestablement le jeu le plus attendu du catalogue EA chez nous, c'est la série des Madden NFL qui remporte tous les suffrages aux États-Unis. Pas étonnant lorsque l'on sait que le football américain est le sport numéro 1 outre-Atlantique. Le Super Bowl, la grande finale du championnat, est par exemple l'événement sportif le plus regardé chaque année par les Américains. Mais malgré tous les efforts de la NFL, le foot US reste un sport marginal en Europe. Les règles nombreuses et complexes qui régissent cette discipline, ainsi que le rythme haché des matchs, ont pour le moment eu raison des non-initiés. Pourtant, ces arguments ne rebutent pas Electronic Arts qui sort en Europe, comme par le passé, son jeu phare, Madden NFL 09. Cette année, il s'agit en plus de l'épisode anniversaire de la série qui a débuté il y a 20 ans, en 1989. Mais comme à chaque mouture, la question est la même. Les nouveautés sont-elles assez importantes pour justifier l'achat d'un nouvel épisode ? À l'image des précédents épisodes, cette version de Madden NFL a pour but avoué de coller le plus possible à la réalité. Pour ce faire, le jeu reprend tous les éléments de la saison qui a démarré il y a tout juste 2 semaines. On retrouvera donc toutes les équipes de la NFL et tous les effectifs mis à jour, incluant les transferts réalisés au cours de l'intersaison. Le célèbre quarterback Brett Favre est par exemple bien présent chez les New York Jets. Pour l'anecdote, il porte toujours le maillot des Packers sur la jaquette du jeu, une équipe avec laquelle il a fait l'essentiel de sa carrière jusqu'à cette année. Côté mode de jeu, le passionné de football américain aura de quoi faire. Le mode franchise lui permettra de diriger son équipe préférée pendant 30 ans en essayant de l'amener au sommet de la NFL. Au-delà de l'aspect sportif, il devra donc se charger du recrutement, mais il pourra également gérer les finances ou encore les infrastructures de sa franchise. Autre classique de Madden NFL, le mode Superstar permet aux joueurs d'incarner un rookie ou une superstar créée de toutes pièces durant toute une carrière. Pas question cette fois-ci de diriger toute l'équipe. Le joueur incarne en effet uniquement le personnage qu'il a choisi avec pour objectif de donner entière satisfaction au coach lors de chaque rencontre. Enfin, parmi les nombreux modes de jeu, on remarque une nouveauté bien sympathique, la présence du mode Madden Moments. Il s'agit là de revivre les moments clés de la saison 2007-2008 en rejouant des événements précis. Le premier scénario demande ainsi aux joueurs de faire gagner aux Dolphins leur premier match de la saison, afin d'éviter à l'équipe de finir le championnat avec 16 défaites en 16 rencontres. Mais la première vraie attraction du jeu réside en fait dans le Madden IQ. Explication. Lorsque le joueur lance pour la première fois Madden NFL 09, il lui est demandé de passer un test. Ce dernier a pour objectif d'évaluer les capacités du joueur dans les 4 principales phases de jeu. La course et la passe en phase offensive, puis la défense face aux courses et aux passes adverses. À l'issue de ce test, qui se déroule dans une sorte de monde virtuel holographique, les capacités du joueur dans chacun des domaines seront déterminées. L'intérêt de tout cela, c'est qu'il est possible par la suite de choisir le niveau de difficulté My Skill avant de participer à un match. L'IA adaptera alors sa manière de jouer en fonction des résultats du test, pour proposer une difficulté permettant une progression régulière. Par exemple, si l'on est mauvais à la course, l'intelligence artificielle sera plus fiable en défense face au running back du joueur. Et inversement, si l'on est très fort à la passe, l'adversaire sera nettement plus difficile à battre si l'on choisit cette manière d'attaquer. Évidemment, à chaque fin de match, les statistiques sont modifiées pour coller au progrès du joueur. Ce système très bien pensé permettra sans nul doute aux novices et aux plus aguerris de se perfectionner dans chacun des domaines, tout en prenant du plaisir face à une intelligence artificielle évolutive. Un vrai plus, surtout lorsque l'on connaît la complexité des règles à respecter et des tactiques à mettre en place avant d'arriver à un résultat positif. En parallèle de ces nouveautés, les graphismes ont bien sûr été revus. On constate ainsi que la modélisation des joueurs est toujours plus réaliste et que les textures sont globalement encore plus fines qu'auparavant. Quant aux animations, elles n'ont jamais été aussi nombreuses et bien réalisées que dans cet épisode. Les feintes des joueurs ou les chocs lors des collisions sont plus impressionnants que jamais. Mais il ne faut pas oublier la réalisation qui a connu, elle aussi, son lot d'améliorations. Fidèle aux épisodes précédents, le gameplay n'a lui pratiquement pas changé. Pratiquement car quelques petites retouches ont tout de même été effectuées. Parmi les nouveautés, 2 retiendront particulièrement l'attention du joueur. La première est d'ailleurs sujette à controverse, puisqu'il s'agit du rewind.
Comme son nom l'indique, il est dorénavant possible de rejouer une action lorsque celle-ci n'est pas à la hauteur de ce que l'on espérait. Cette option est bien sûr destinée aux débutants, qui pourront s'exercer à refaire plusieurs fois une même phase de jeu afin de progresser. Que les puristes se rassurent, le nombre de rembobinages par match peut être limité à 1, 3 ou 5, voire tout simplement 0, si l'option est désactivée. Pas de quoi paniquer donc, d'autant plus que le Rewind n'est pas disponible sur le Xbox Live. Looking for a receiver. He leaves, it's caught. Outre l'apparition de ce retour en arrière sur commande, un outil un peu spécial a également été ajouté. Il s'agit du backtrack. Here's Chris with the breakdown. Ce mot anglais un peu barbare désigne en fait l'analyse, au cours du match, d'une phase de jeu que le joueur n'a pas bien négociée. Un ralenti se déclenche alors et les commentateurs décortiquent l'action problématique afin d'expliquer pourquoi le choix que l'on a fait n'était pas le bon. Mieux, il donne ensuite son avis sur la voie qu'il aurait fallu suivre pour avoir un maximum de réussite. Si au départ on prend cet outil pour un gadget, il est en fait très intéressant de voir ces erreurs analysées. On est très vite surpris de voir que des solutions beaucoup plus simples étaient disponibles. Et lorsque l'on connaît l'importance de la tactique dans le football américain, tous ces conseils s'avèrent précieux, notamment sur les phases de passe. La lecture du jeu lorsque l'on incarne un quarterback est en effet un exercice complexe que l'on met du temps à maîtriser. Un outil très impressionnant donc. And here's a look at what the defense decided to go with. Finally, here's how frequently you would expect to see this offense work in the NFL when you take into account the personnel matchups out there. Si l'on accepte ces deux innovations, le gameplay reste donc similaire aux épisodes précédents. Et c'est bien normal, car il est parfaitement calibré et a fait ses preuves depuis longtemps. De plus, le système de course est devenu encore plus intéressant grâce aux nouvelles animations qui rendent ses rushs plus réalistes. En fonction du gabarit des running backs, les actions du joueur auront ainsi des effets différents. Un petit coup de stick à droite au bon moment et un coureur petit et vif se sortira avec agilité du marquage d'un mastodonte de la défense adverse. Pour la passe, le petit ajout se situe au niveau de la caméra, qui suit dorénavant parfaitement les mouvements du quarterback. Cela permet d'éviter de lancer à l'aveugle la balle sur un receveur hors de l'écran. Une nouvelle fois, Electronic Arts livre ce qui se fait de mieux en matière de football américain. Les nouveautés sont certes peu nombreuses, mais elles améliorent tout un compartiment du jeu avec brio. Ce dernier a du coup gagné en fluidité et en réalisme. Toutefois, on ne peut que regretter le fait que le jeu ne bénéficie toujours pas d'une localisation en français. Il faudra donc avoir un niveau d'anglais correct pour profiter à 100% de ce Madden NFL 09. Autre petit point négatif à souligner, l'IA adopte parfois un comportement un peu bizarre dans ses choix tactiques. Des faits cependant trop rares pour gâcher le plaisir de jeu. D'autant plus que des efforts ont également été fournis au niveau du online. En effet, jusqu'à 32 joueurs peuvent maintenant s'affronter en ligne dans une ligue. Madden 09 semble être parfaitement armé pour séduire le peu de public qu'il possède en Europe. Grand Marcus, gloire à toi, gloire aux petits amis de No Life. Tout de suite, Julien Pirou te rend hommage avec sa Minute du Geek spéciale Nintendo. Il te connaît bien. Il te connaît tellement bien que la semaine prochaine, ça va être une Minute du Geek sur la pâte à tartiner. C'est quoi ? Quoi ? C'est quoi ? Quoi ? Ma Nintendo ! Ouais. Leur boîte, elle a 15 ans. Pas plus ? Non, non, 15 ans. La preuve, leur console, elle a des boutons. Je suis trop drôle. C'est con. Objection ! On connaît tous Nintendo comme étant le géant du jeu vidéo qu'il est actuellement. Pourtant, la compagnie existait bien avant l'émergence des loisirs vidéoludiques. La compagnie fut fondée en 1889 par Yamauchi Fusajiro. Oui, si c'est bien ça, je ne me suis pas trompé dans la prononciation, et faisait des cartes à jouer. Il s'agissait de cartes dessinées à la main pour un jeu nommé Hanafuda. D'ailleurs, le nom Nintendo fait directement référence au jeu de cartes, puisqu'il signifie « laisse les cieux décider de la chance ». En gros. Alors, l'essor de Nintendo se produisit en 1949 avec l'arrivée de Yamauchi Hiroshi, donc le
petit-fils, à la tête de la compagnie, à seulement 21 ans. En 1953, Nintendo devenait la première compagnie japonaise à produire des cartes à partir de plastique, ce qui lui permit de dominer le marché des cartes à jouer. En 1959, la compagnie signa un accord avec Disney pour produire des jeux de cartes à l'effigie des personnages du studio américain. Ce fut un tel succès qu'en 1962, Nintendo entrait en bourse. Malheureusement, la fin des années 60 vit aussi l'effondrement du marché des cartes et les tentatives de Nintendo dans des domaines aussi variés que le riz instantané ou les aspirateurs furent des échecs. En 1965, Nintendo avait engagé un ingénieur nommé Yokoi Gunpei pour travailler sur ses chaînes de production de cartes à jouer. Mais Yokoi était aussi inventeur de gadgets à ses heures perdues. Yamauchi Hiroshi sut flairer le potentiel du bonhomme et le mit au travail sur des jouets électroniques. Comme chacun sait, Yokoi Gunpei serait quelques années plus tard le créateur des Game & Watch, puis du Game Boy. En 1977, c'est Miyamoto Shigeru, le futur papa de Mario, qui rejoignait Nintendo. Son arrivée coïncidait avec l'entrée de Nintendo sur le marché de l'arcade, avec un jeu nommé Computer Othello. En 1981, ce fut bien sûr le lancement de la borne Donkey Kong, et le reste appartient à l'histoire. Alors si vous voulez approfondir votre connaissance du sujet, les éditions Pix & Love ont sorti un très joli bouquin qui s'appelle donc « L'histoire de Nintendo » et dont je vous recommande chaudement la lecture. Petit ami de No Life, un truc bon à savoir. Marcus, en japonais, ça se dit « malheur que ce ». Mal que ce, mal que ce, mal que ce, mal que ce. いらっしゃいませ, Tokyo Café, ようこそ. Alors, qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Salut tout le monde, c'est Suzuka. 今日の私は Paris Manga に来ています. ここでもまた一体どれだけの人がどれだけのオタクが日本語を喋ることができるのか鈴鹿チェックこんにちはこんにちはあなたの名前は何ですかはじめましてあなたの名前はマリです鈴鹿ルールの説明をします第1問目こんにちは第2問目あなたの名前は何ですか第3問目今日は何を買いましたか第4問目スーパークイズノーライフで一番好きなエミッションは何ですか東京カフェかな東京カフェあ、残念すごい残念あのね、私の名前はマリです私の名前はマリですオッケーです今日何を買いましたかあ、わかりませんあ、残念でもすごい可愛い tu es très mignon tu es déguisement de Chobits, n'est-ce pas Chobits, ありがとう tu es fan de manga de Chobits oui est-ce que tu savais que c'est Chobits, c'est moi qui a traduit?そうですか。すごい。Oui, oui, regarde la dernière page, c'est écrit de Suzuka Asaoka. Oh, はじめまして。はじめまして。これプレゼント。ありがとうございます。あー、バイバイ。またね。ちーちゃん、可愛かったですね。じゃあ、写真撮ってる君、こんにちは。Je parle pas japonais。残念。全然喋れないけど、私のこと知ってみたいですね。次行きますよ。あ、制服の子、こんにちは。こんにちは。あなたの名前は何ですか私、コポンパ。残念彼が喋るとですね、こんにちはこんにちはあなたの名前は何ですかルクですルクさん、今日は何を買いましたかナーズの DVD 買いました買いましたじゃあ、ノーライフで一番好きな番組は何ですかノーライフ一番です好きな番組、ノーライフはい、好き好きな番組は惜しい惜しい惜しいだって彼すごいでしょモンジュモンギークのほら着てるんですよこんにちはこんにちはあなたの名前は何ですか残念日本語喋れないでも こんにちはこんにちはこんにちはこんにちはあなたの名前は何ですかわフリーハグであフリーハグフリーハグわーいなんかフリーハグ喋れないですよみんなジャパンエキスポの方が喋れる人が多かった気がする鈴鹿セレクトが悪いんですかねおいはいおいって言われた おいお前がおいこんにちはこんにちはあなたの名前は何ですかえあなたの名前は何ですかえお前の名前は何だ名を名乗れおい残念なんか喋りかけてくれてどうもありがとうこれ何のでブーコスプレ好き
ザブザ、ナルトです。ナルトのザブザさんです。こんにちは。こんにちは。あなたの名前は何ですか？ケミ。ケミちゃん。いや、アトエンです。アトエさん、今日は何を買いましたか？グレンナガン。グレンナガン。ゴスペルの名前。ずっと違うじゃない。私何も買ったかって聞いたんだけど、分かんなかったみたい。でもありがとう。こんにちは。Hello, I'm Vira from Gruen Lagen, the same anime. You know? I can't speak English! さあ、この写真を撮ってるあなた、こんにちは。こんにちは。あなたの名前は何ですか？私の名前はルシです。今日は 何を買いましたか？何も買いました。ノーライフで好きな番組ありますか？すみません。ノーライフで好きな番組は何ですか？はい。好きな番組。わかります。難しいんだよね、やっぱりね。私がちょっと質問難しくしちゃったかな。ありがとう。これね、プチカドプフトワです。ありがとう。はい、こんにちは。こんにちは。あなたの名前は何ですか？私はメガンです。私はジュディリンです。私はイメンです。イワンです。まあ、セーフ。今日は何を買いましたか？今日は何を買いましたか？何ですか？何を買いましたか？何を買いましたか？何を買いましたか？買いましたか？買う。ヤマピー。ヤマピーかチュー。何してもらいましょうかね。カメラ近づや。ヤマピー。なんだ。誰？サクラ。誰ですかね。なんかもうおばちゃん、若者にはついていけません。じゃあ頑張りましょう。はい、じゃあ質問です。ノーライフで一番好きな番組は何ですか？ノーライフで一番好きな番組は何ですか？ロイツラキスのファコプリン。フォシモ。ダメだこいつら、全然ダメだ。ということで、私今回パリマンガ初めての参加だったんですけれども、ジャパンエクスポの時に比べて日本語喋れる人少なかったような気がします。すごいね、残念なんだけれども、きっとまたこれからね、興味を持ってみんな勉強してくれると思うんで、それを待ってます。フムネコントブレVoilà, bon bah, au revoir. Au revoir, professeur. J'espère qu'après ça, il va m'inviter quand même dans son émission, quoi.